Bon, ok. Maintenant, tout le monde, ok. Bon, pour les prochaines vidéos qui vont suivre, ok, ça va être une alternance de duels. Ok, une alternance, ça veut dire qu'il y en a un qui va faire SD, puis il va laisser deux jours de jouer. Donc, si vous voyez des personnages que je ne joue pas, comme Donkey Kong et Wario, ben, ça veut dire que je ne joue pas. Ok, là, je veux qu'on regarde deux duels entre Donkey Kong Master et Sam. Voir un peu comment ça se passe ces deux-là. J'ai oublié d'enregistrer le premier match. Parce que Sam avait fait une bonne figure dès le départ sur Destination Finale. C'est moi qui ai choisi ces arènes-là. Je me suis dit, tiens, je joue souvent de tournoi, je joue souvent ces arènes-là, parce que je me suis dit, pourquoi pas. Et laisser jouer sur les arènes qu'ils préfèrent jouer. Moi, j'aime ça jouer varié. Moi, je peux pas comprendre pourquoi que dans les tournois internationaux, pour ce type de jeu, ben, que genre, on devrait se limiter seulement qu'à 5 ou 6 arènes. On a Smashville, Destination Finale, Champ de Bataille. En fait, les deux, Champ de Bataille, dans le fond. Puis je me rappelle plus des deux autres. Les autres arènes qu'on a le droit. Ça, moi, je n'ai jamais compris, puis je ne sais pas pourquoi. Donc, on peut voir là. Oh, très bon chemin de la part de Doc Ian, et voilà, c'est rendu ici. Ah, de lui qui mène. Alors, de VGA contre un joueur québécois. Oh. Oh, il est chanceux, là. Oh, ça, c'était très bien joué de ta part, là, bien joué, là, de la part de Sam. Il l'attrape. Il doit avoir sûrement un bon moment qu'il faudrait l'attraper. Des fois, ça arrive que j'attrape des objets de Mega Man, des fois de l'autre joueur, mais c'est rare, ça l'arrive. Donc, des fois, je le fais pas de manière intentionnelle. C'est ça, genre. Ouais. Oh. Contrer ça, la part de Tarkian. Oh. Ah, tiens. Non, mais. Le méca posé, il survit pareil. Ça l'a bloqué, mais le méca, il a pas explosé, le méca posé. Oh, boy, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Moi, je n'ai pas compris celle-là, mais en tout cas, les deux se sont suicidés. Oh. Je pense qu'il y a eu un moment de pause pour les deux. Oh! Non. C'était pas le bon moment pour un chemin, je pense. Bien joué là, tu sais. Oh! Oh! Non. La saisie a été ratée. Bon coup d'en œuf, pareil. La part de Takin Amasa, il essaie de faire un jack-log à Sam, mais il réussit pas. Un jack-log qu'on appelle, c'est ça? J'espère que je ne me trompe pas dans le mot. Oh, 105%, il survit.
esquiver de la part de Sam. Oh. Non, je pense que c'était peut-être un petit piège pour après ça, lui charger dessus. Ah, dommage. Maintenant, on va voir la troisième manche, ces deux-là. Là, cette fois-ci, Doc Ian a utilisé son main qui est Mario. Ouais, désolé si je parle pas d'anglais, je sais pas comment m'exprimer en anglais correctement. Mon anglais il est plus basique. Donc, il aurait dû servir un peu plus longtemps le chemin, puis ça l'aurait passé. Oh. Oh, c'est un bon sentiment de deux combos, hein, par derrière, hein, tu sais, deux bons pieds arrière. On a pas toujours de Mario, ouais. On va l'avoir par ici. Oh, ça c'était très mérite d'après descendre. Il a oublié de faire tech. Game Master, ouais. Moi, c'est pas le temps de me déranger, je suis en vidéo, moi. Après. Hein? Comment ça? Je suis en train de commenter, maman, ok? Je suis en train de commenter, ok? Oh, that's fine. Oh, là c'est l'autre qui a oublié de faire un tech. Là, j'étais sûr et certain qu'il était mort. Quoi là? Je vais me faire attaquer en attendant. On va y m'excuser là. Peut-être manquer une partie de la game là. Ok. Mon bouclier est parfait. Ah, mais écoute là, comment ça qu'il a pu faire un autre double saut là? Je pensais qu'il était mort là. Et là, moi j'ai rien compris. Mais il me semble qu'avec le coup de cap, là, il devait être mort. Là, cette fois-ci, je sais pas comment il a pu faire un autre double saut. Beau chemin de la part de Doc Ian Master. Bien joué, ça. Oh! Un tech de la part de Sam, et ben, il a survécu là. Il est encore dans la course.
Oh! Bien joué, là, il fallait un chemin pour finir ça. Là, ce que j'aime voir au moins une fois de temps en temps, des smash. C'est sûr que les smash, c'est fait quand que je vois il y a un nombre de dégâts élevé. C'est rare que les gens font des smash avant, ben, dans un combo. Très rare. Ça serait fun si je verrais ça une fois de temps en temps. T'sais, genre, un cheval, mais c'est pas nécessairement le coup final, comprenez-vous ce que je veux dire par là? Mais bon, chacun son astuce. Tu sais, les raisons pourquoi que moi, quelqu'un que je regardais les joueurs pro, m'en est avec l'habitude, là, pendant 3 ans de temps, là, par le SM, puis Zero, là, entre autres. Quand que je voyais jouer à chaque fois leur personnage, quand que je jouais en ligne aussi, je trouvais que c'était rendu trop pareil. Mais regarde, en ligne, ils se laissent aller, mais en tournoi, c'est toujours pareil. Quand ils montent des séquences avec d'autres joueurs pro, je trouvais que les moves étaient toujours pareils. Là, je me demandais un jour, ok, il devrait avoir un chemin pour finir le coup. T'sais, bon, je comprends bien que genre que quand que j'ai vu le match de Megaman contre le Diddy de Zero, ça veut dire Zero contre le joueur japonais, je m'en souviens plus de son nom, par contre, il jouait... Non, il jouait Habitant, excuse-moi, c'était ben, Habitant, pardon, Habitant, non? Non, c'est Megaman, c'est bien Megaman, il joue aussi Habitant aussi. Mais c'est, il joue Megaman à ce moment-là, je m'en souviens plus de son nom. Genre, ils étaient tous les deux, tout en 80%. Puis, la première chose auquel les deux ont pensé, c'est saisi pour mettre KO et gagner la manche et puis ça m'aurait fait gagner la troisième place de ce tournoi-là que je ne me souviens plus lequel. C'est Zéro qui a gagné. Quand même, ils étaient tous les deux tous à 80%, là, c'était exceptionnel. Mais moi, je m'aurais dit, il aurait fallu qu'ils prennent un risque. Moi, je me suis dit dans ma tête, un smash, mais je pense que le joueur japonais qui a essayé d'en faire un, mais il n'a pas réussi. Il a réussi à contrer la saisie du jeu juste après en faisant une roulette arrière, je pense. En tout cas, je me souviens plus par quand, mais en tout cas, je me souviens de ça. Quand que j'écoutais les vidéos de Zero et de SM auparavant. Puis des fois, il parlait des autres joueurs pro. Comme Dabuz, puis donc il y avait Alai. Qui d'autre qu'il y avait aussi? Tu me rappeler des noms? Mystery peut-être? Je sais pas. En tout cas, t'étais Mary ou elle, je me souviens plus. Seigneur, je mélange bien non les gens des fois. Là. Il y a Nairo aussi. Dans l'eau. Il y a aussi, je pense, Larry, je pense. C'est drôle parce que sinon c'est le nom d'un des sites de Buzzer. En tout cas. Bon, sur ça, on se rejoint pour d'autres duels.